connectez-vous, Afrique de Liberté. L'heure est très très grave, connectez-vous. Alors, chers amis, Afrique de Liberté, chers peuples d'Afrique, j'espère que vous allez bien depuis vos différents bords, depuis vos différentes positions. Je vous salue. Je vous salue, Afrique de Liberté, et je vous demande comme ça de partager massivement cette vidéo. Il faut la partager dans tous les groupes. Envoyez-moi cette vidéo partout en Afrique. Il faudrait encore une fois de plus parler à nos frères et sœurs depuis l'Afrique. C'est très, très important. Ils ont très attaché par rapport à ce combat que nous sommes en train de mener. On vous a dit, c'est maintenant que ces gestes-là vont essayer de tenter le tout pour le tout. On vous a dit qu'ils n'ont pas encore dit les derniers mots. C'est maintenant que le plus dur commence. C'est maintenant que nous sommes en guerre. C'est maintenant que nous sommes à fond dans ce combat, dans cette bataille. On vous a dit, quels que soient les moyens, ils vont tout tenter. Parce qu'ils n'ont plus le choix aujourd'hui. Ils vont tout tenter. Ils vont aller jusqu'à corrompre certains de nos frères et sœurs. Attention, parce que ce qui se passe au Burkina Faso, nous, on savait déjà que ça allait arriver. On vous a déjà mis en garde. Peuple du Burkina Faso, ne tombez pas en tout cas dans ce jeu de la France. Ne tombez pas dans ce jeu de la CEDEAO. Ne tombez pas en tout cas dans ce jeu de ces personnes qui ne veulent pas du bien de l'Afrique. Tout ce qui va venir donc de l'autre côté, il faudrait d'abord vérifier. Avant donc en tout cas de vous révolter, avant donc de manifester en tout cas votre mécontentement. Vérifiez toutes les informations venant de l'autre côté. Sur tous les plans, ces gens-là sont en train de mettre des plans diaboliques pour attaquer. Ils sont déjà d'ailleurs en train d'attaquer. Ils ont commencé à attaquer. Ils ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus. C'est pourquoi on demande encore à ce que le peuple du Burkina Faso en tout cas se ressaisit. Parce que ce n'est pas le moment donc de se mettre dans cette posture. Ce n'est pas le moment de suivre ces personnes comme ça qui ont été achetées donc par la France. Ce n'est pas le moment de suivre ces organisations. Tu étais acheté par la France pour ce sale boulot qu'ils sont en train de faire actuellement au Burkina Faso. Réveillez-vous, ressaisissez-vous. Il ne faudrait pas les écouter. Au contraire, vous devez boycotter tout ce qui va venir en tout cas de ces soi-disant sociétés civiles, ces nègres de maison, ces lèche-bottes. Il faudrait donc en faire très attention. Sur tous les plans d'ailleurs, ils ont commencé à attaquer. Aujourd'hui, voyez-vous ce que RFI a fait sortir. RFI nous dit que, avec un titre choquant, RFI dit, Burkina Faso, malgré les menaces, la société civile maintient son meeting du 31 octobre. C'est RFI qui le dit. Malgré les menaces, qui est-ce qui a menacé qui? Quelle est donc cette manière? Tellement ils sont prêts à nuire au capitaine, tellement ils ont cette haine, cette rage, ils sont prêts à raconter n'importe quoi. Mais ça ne passera pas. C'est pourquoi nous demandions encore une fois de plus au peuple de Burkina Faso de se ressaisir. Parce que tout ça, c'est de la distraction. Voilà. Alors que actuellement là, l'heure n'est pas en tout cas la distraction. Soyez en tout cas vigilants. Et mettez hors d'état de nuit ces personnes qui viendront raconter leur vie. En tout cas, sur des places publiques. Ne suivez pas ces gens-là dans ces marches à la con. Le capitaine est en train de faire un travail très profond. Non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'Afrique. Il faut les soutenir jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo, invitez vos amis rapidement. On va écouter cette vidéo depuis le Burkina Faso parce que c'est très important. Afrique de Liberté, partagez-moi massivement cette vidéo. Invitez vos amis, taguez vos amis. N'oubliez pas que vous êtes aussi Côte d'Ivoire 2020. La chaîne panafricaine, la chaîne de résistance. Rapidement, on va écouter la vidéo et tout à l'heure, on reviendra pour essayer d'apporter notre mot de fin. Si, donc on a encore le temps. On y va. Quand le pays va mal, on s'en va aux cheveux de la même patrie. On se disperse pas. C'est pas maintenant qu'on fait des revendications. On va organiser des meetings pour commémorer le 31 octobre. Mais ton pays n'est même pas encore libéré. Tu t'en commémorer quoi? Faut libérer d'abord ton pays. Et puis après, tout le monde va faire la fête. Partagez la vidéo, hein. Mon compte est violemment attaqué. Vous l'avez vu. On monte jusqu'à arriver à un stade. Ça se bloque, ça redescend. Encore ça, c'est des virus qui font ça. Voilà. Ça, c'est les gens, là. Ils attaquent les comptes. Donc, partagez pour débloquer la vidéo. C'est comme ça qu'on fait. Vous partagez. Puis ça débloque la vidéo. Mettez beaucoup de cœur aussi. Non, mes frères Burkinabé, il faut que je vous dise, il n'y a même pas longtemps, vous avez échappé à un coup d'état chez vous. Il n'y a même pas longtemps. Ça ne fait même pas encore 3 mois si je ne me trompe pas. Ça ne fait même pas encore 3 mois si je ne me trompe pas. Je vous ai dit et puis je vous répète, prenez exemple sur la Côte d'Ivoire. Le pays n'est pas en crise. Nous, on n'a pas djihadis chez nous. Il n'y a pas la guerre. Mais aucune mouche ne vole. Personne n'a le droit de manifester en Côte d'Ivoire. Ni de faire des conférences de presse. Mais vous,
Je parle des syndicats, hein. Je ne parle pas de l'opposition. Et l'opposition, et encore l'opposition. Mais dès que tu parles, vous êtes ici. Dans Madame Picasse a fait mobilisation une fois, deux fois. Il a été convoqué. Il a été convoqué. Le président des jeunes de PPACI, là, il sort de prison, hein. Des gens sont allés dans une manifestation où ils ont brandi le drapeau de la Russie. Ils sont allés en prison. Des gens sont allés accompagner Damanin Picasso à son rendez-vous parce qu'il a été convoqué par la gendarmerie. Ils sont allés en prison. En toi, tu es assis, on t'a fait conférence de presse et puis c'est toi qui dis que tu es menacé de mort. Mais tu es menacé par le peuple, par les partisans, pas par Ibrahim. C'est la population qui est en train de vous voir vous perdre en conjoncture là. C'est eux qui vous ramènent à la raison. En vous disant que le pays va mal. Et quand le pays va mal, on va au sein de la mère patrie. On ne crée pas plus de désordre que ça. On va à l'unité. Vous pouvez dénoncer. C'est votre droit. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment de foutre la merde au pays? On va commémorer. Nous allons commémorer. Nous allons commémorer. Il faut aller commémorer ici dans les zones où vous ne pouvez pas aller là. Là-bas aussi, ils ont besoin de votre soutien. C'est là-bas même qu'ils ont besoin de votre soutien. C'est pas à Ouaga. C'est pas à Ouaga. Pourquoi vous n'êtes pas des patriotes comme ça? Votre pays, il vient s'asseoir, il fait le bilan d'Ibrahim Traoré. Oui, il avait dit 3 mois. Ça fait 1 an. Eh, monsieur, chez nous là, ça fait 15 ans, quelqu'un a pris le pouvoir. On attend toujours les programmes. Les logements sociaux, on attend encore. L'emploi pour les jeunes, on attend encore. Un Ivoirien, toi, on attend encore. On nous sert des ponts. À peine il pleut net, ou mais à peine, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Voilà pont là qui est en train de s'affaisser là-bas. Vous tous, vous avez assisté ici. On dit, comment on appelle ça? Stade Mbappé, ou mais Mbappé, ou Mbibi, tout ça là-bas, c'est la même chose là, je m'en fous. Stade, il a plu. 3 minutes de plus. Stade est inondé. Tout est gâté. Non, la vie est chère. La vie est chère. Il faut venir en Côte d'Ivoire, tu vas voir si la vie est facile. Non, ça va. Les gens n'arrivent pas à se nourrir. Hein. Chez nous, on dit pays est développé, non. Les gens ont faim. Pays est développé, les gens ont faim. Les gens pleurent et ça va pas. Tout augmente. Le matin, ils augmentaient. Le soir, on augmente. À midi, on augmente tout. Toi, ton pays est divisé. Il y a la guerre chez toi. Et tu es en train de te plaindre. Comme si ton pays était dans un état normal et puis tout roulait. Pourquoi vous êtes comme ça même? Quand on parle, on nous menace, on dit il faut pas en parler, on nous menace, on dit il faut pas en parler, on nous menace. Non, les gens vous appellent à revenir à la raison. Que le pays va mal, ce n'est pas le moment. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. De toutes les manières, même tête de mort. Quand je vais finir là, je vais te bloquer puis je vais te bannir. C'est même mon nom même en direct, tu ne recevras plus. Allez au chevet de la mère patrie. Le pays va mal, le pays vous appelle. Vous appelez la communauté internationale, vous voyez pas qu'on est livré à nous-mêmes. Vous ne voyez pas le deux poids, deux mesures qui se passe actuellement dans le monde? On dit que terroriste est attaqué là-bas, ça fait des milliers de morts. Au Burkina Faso, ça fait plus de 10 000 morts. Combien d'années que vous... Je ne sais pas combien de morts là, tu as fait les totaux, ton bilan ce matin, combien de morts? Tu vois quelqu'un venir au secours? Depuis, il y a la guerre là-bas, là. Tu vois quelqu'un qui a amené des armes, des avions de guerre, des chars combat pour aller combattre le terroriste? Vous avez déjà vu. Mais regardez les milliards qu'ils ont donnés à l'Ukraine pour se défendre. Regardez ce qui est en train de se passer en Israël. Vous n'avez pas pitié de votre sort? Vous n'avez pas pitié de vous? Regardez ce qui se passe dans le pays d'autres. Regardez comment les Occidentaux se soutiennent en eux. Le blanc se soutient. Mais toi, il y a un petit problème dans ton pays net. Parce que le budget est consacré à libérer, comment on appelle ça? À libérer les territoires occupés. Hein? Occupés par les terroristes. Des gens souffrent là-bas. Tu penses à toi. Ah, commémoré. Ah, ça fait 1 an maintenant, il est là. Il n'a rien fait. Ça fait 1 an, il n'a rien fait. Les bombardements qu'on voit là, ces films. Les bombardements qu'on voit là, ils vont démanteler des camps de terroristes là. C'est quoi on voit là, ces films? Ou bien ces jeux vidéo? Quand le président Ibrahim prend des convois, et puis il y a des mines sur la route, et puis chaque fois qu'il va, il faut déminer avant de passer là. C'est films. Ou bien c'est nous, c'est montage. C'est montage, vous faites pour nous blaguer, quoi. Aidez le monsieur à vous aider. Ah, la corruption, ah, la corruption, ah, la corruption. Mais il est en train de combattre corruption, hein. Corruption dont tu parles, il est en train de combattre ça.
Vous avez un bon président comme ça, au lieu de le chérir, hein? Au lieu de le chérir, de l'encourager, de vous sacrifier pour lui, vous pouvez parler, c'est vrai, si vous n'êtes pas content, ah, président, là, on n'est pas content, là, là, ça va pas, oui. C'est quelle histoire de mobilisation, commémoration? On va aller faire ci, on va aller ça, on va aller marcher, d'autres vont faire des conférences. Mais continuez vos conférences de presse, laissez le monsieur travailler. En un an, vous demandez bilan. D'autres même font 10 ans au pouvoir, ils font pas bilan. Toi, un an déjà, il n'a qu'à venir faire bilan. Ah, il nous a promis en 3 mois. En 3 mois, là, c'est pas encore libéré. Bon, c'est parce que toi-même, là, tu n'es pas au front qui c'est pas encore libéré. Il faut aller au front. Quand tu vas aller au front, là, tu vas voir, ça sera libéré. Yassine Zasso, sois salué. Angela Dibi, depuis ton bord. Hein? Gaston, sois salué. Junior. Emma Odrago, sois salué. Tu sais pourquoi? 3 mois l'est passé, puis le Burkina n'est pas encore libéré. C'est parce que vous, les, comment on appelle ça? Vous qui êtes dans l'association de CGBT là, vous là, hein, les hommes là, les bras valides que vous êtes là, vous voulez pas aller au fond. Vous voulez porter chemise, ou bien veste, costume et cravate comme ça pour vous promener puis parler. Allez au fond. Vous allez voir, en 3 mois là, le pays va se libérer. En 3 mois, le pays va se libérer. Vous voulez faire conférence de presse, mais vous voulez pas aller au fond. Pourtant, vous êtes des garçons. Eric, sois salué. Zébré, Eric depuis Yaoundé, sois salué. Depuis ton bord, tous mes respects. Kwasi, Betty, sois salué. C'est doux, hein, quand on fait conférence de presse, là. C'est intéressant, hein. Quand tu vas pas au front pour voir ce qui se passe, là, c'est trop chic. Ceux qui vont au front, là, vous pensez qu'ils sont en acier. Ceux qui vont au front, là, ils sont en acier. Ceux qui se sont portés volontaires pour aller mourir pour leur mère patrie, là, ils sont en acier. Vous, là, vous êtes en sucre, en or. Votre président lui-même, là. Président d'institution, ils se déplacent, ils sont au front. Et puis vous, là, vous êtes assis dans conférence de presse en train d'expliquer la vie au Burkinabé. Vous êtes en conférence de presse en train d'expliquer au Burkinabé comment tourne la vie. Il faut porter tes bottes, prendre ton javelot, mais je ne sais pas quoi. Et puis il faut aller au front aussi. Tu vas voir ce qui se passe au front. Après ça, tu vas venir expliquer aux gens comment le pays doit être dirigé. Il faut aller au front, toi aussi, tu vas voir un peu. Non, nous allons, il faut revendiquer la liberté d'expression. Je suis nanani. Vous n'avez pas pitié de votre pays. Vous n'avez pas pitié. Vous menez un combat. Regardez comment la moitié de l'Afrique vous soutient. Nous-mêmes, ce n'est pas notre problème. On a changé ça pour mettre sur nos têtes ici. On est calebasse ou bien canari. Nous vous soutenons. Quand ça va mal, on prend nos caméras. On est de tout cœur avec vous. Mais quelle idée allait là d'aller manifester? Quand il va vous dire non, ce n'est pas le moment. Oh, c'est un dictateur terroriste. Voilà. C'est un dictateur. Et Ibrahim Traoré était un dictateur. Allez, huez-le, c'est un dictateur. Mais est-ce que c'est le moment? Mais est-ce que ça, là, on a besoin de vous dire? Vous-même, là, vous pouvez pas prendre conscience que, actuellement, le pays va pas bien. C'est pas le moment. Le pays va pas bien. C'est pas le moment. Hein? S'il a fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'il n'y a pas de résultat, après-y. Franchement, il n'y a pas de résultat. Là, est-ce qu'il faut pas changer de manière? Au bout de 1 an, il faut venir faire ton bilan. Ah, bilan. Hein? Bilan. Bilan. Nanani, bilan. Quand vous allez finir de faire conférence, là, ils vont vous prendre et puis ils vont vous emmener au fond. Vous seulement là, ils vont vous enrôler de force et puis vous allez aller combattre au front. Ça là seulement là, vous allez faire un stage d'une semaine au front. Quand vous allez quitter d'un stage de semaine au front là, vous allez venir expliquer la vie au Burkinabé. Vous avez compris? Finissez votre conférence de presse là, finissez votre manifestation, votre mobilisation. De toutes les manières, c'est un pays de liberté. Quand vous allez finir, que vous n'êtes pas conscient, que la mère patrie a besoin de vous, que vous devez soutenir votre pays. Quand vous allez finir là, vous allez aller au front. Vous avez compris? Vous allez aller voir comment les soldats là combattent, comment est-ce qu'ils meurent, comment est-ce qu'ils se sacrifient pour leur pays au fond. Quand vous allez finir de voir là, maintenant demain vous allez venir faire conférence. Là, des gens qui sont inconscients, qui ne savent pas choisir le moment, qui savent pas qu'actuellement là, regarde, quand ton papa s'en va se saouler, et puis il rentre à la maison, et puis il est nul, il faut prendre pagne. Tu vas aller couvrir ton papa. Faut pas appeler le voisin. Hey, voisin, il faut venir voir le papa du monsieur là, il est nu. Voisin, viens voir, mon papa est nu, hein. Mon papa n'a pas porté caleçon, il allait boire, il est saoulé. Vous êtes des sorciers. Cette histoire-là, c'est une histoire biblique. Et le monsieur a maudit son enfant. Vous êtes des sorciers. Quand le pays va mal, dans la mesure où tous les radars sont sur votre pays-là, on protège le pays. Et puis les problèmes internes, là, on règle en interne. On demande des audiences. On va rencontrer. On parle en burkinabé. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Quelle peut être notre partition? Quel rôle on peut jouer? Si vous voulez vraiment jouer des rôles, c'est comme ça on fait.
On n'appelle pas hey, les Ivoiriens, les Camerounais, les Congolais, les Béninois, les Togolais, les Maliens, les Guinéens, la France, l'Italie, l'Algérie, qui encore? L'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre. Venez voir dans mon pays, là, ça va mal. Et tu penses que c'est comme ça que ton pays sera libéré? Quand tu vas finir d'avoir gain de cause, et puis c'est fini. Ou bien tu penses qu'on libère avec un pays avec des conférences de presse? Vous pensez que c'est votre conférence de presse là qui va libérer le Burkina Faso? C'est votre pseudo meeting là qui va libérer le Burkina Faso? C'est ça qui va libérer le Burkina Faso? Au jour d'aujourd'hui où vous êtes devenu un pays, un peuple digne, où tout le monde vous respecte là, vous n'allez pas conserver votre respect. Hein? On n'a qu'à vous huer de loin. Parce qu'il y a des sorciers qui attendent que ça, la chute du Burkina Faso, pour se moquer du Burkina Faso. Il y a des sorciers qui sont là, qui attendent que ça. Le Burkina Faso n'a qu'à aller mal. Ils vont rigoler. Et vous contribuez à cela. Soyez sages et pensez à votre pays. Soyez sages et aidez le pays à aller mieux. Si vous voulez participer à la vie du Burkina Faso, demandez une audience auprès du chef de l'État. Allez le voir et puis demandez-lui quel rôle vous pouvez jouer pour aider votre patrie. C'est ce qu'on attend de vous. C'est ce qu'on attend de vous. Bon, au jour d'aujourd'hui, là, le Burkina Faso va commémorer quoi? Non, la liberté. On nous confisque notre liberté. On nous empêche de parler. On nous empêche de nous mouvoir. On t'empêche de parler, mais tu es en train de faire conférence de presse. On t'empêche de parler, mais tu dis tu maintiens manifestation. Vous n'avez pas un président comme Ado chez vous là-bas, là, c'est à cause de ça. Vous n'avez pas un président comme Ado. Vous connaissez Ado, président ivoirien. Là. Vous n'avez pas un président comme ça là-bas. C'est pour ça. Monsieur le juge vous demande, il dit bonjour Nina, il faut leur demander de lire l'article 4 du pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques qui prévoit qu'on peut porter atteinte à certains droits comme la liberté. Attendez, c'est un peu loin. Certains droits, je suis arrivé. Comme la liberté de manifestation lorsqu'un pays fait face à un danger exceptionnel. Hey, c'est juge qui est en train de vous parler. Hein. Là, là, si c'est moi, là, vous avez dit que toi, est-ce que tu es juriste, tu connais quoi? Là, c'est juge qui est en train de vous parler. Liberté de manifester lorsqu'un pays fait face à un danger exceptionnel. Est-ce que le territoire du Burkina Faso n'est pas un danger exceptionnel? Si, monsieur le juge, je confirme. Hey, merci, monsieur le juge. Là. Vraiment, le juge, même quand il est là, il m'aide beaucoup dans mes directs, ça me fait plaisir. Hey, voilà. C'est un cas, donc c'est le droit. Donc, le président, un peu s'appuyer sur cet article de loi-là pour interdire votre manifestation. C'est pas de la dictature. Vous avez compris? Les pseudo-intellectuels qui sont pas instruits, là. Hein? C'est pas de la dictature. Voilà, parce que le Burkina Faso vient d'événements exceptionnels. Le pays, mais c'est même pas exceptionnel, le pays est en guerre. D'accord? Le pays est en guerre. Il faut que vous arriviez à vous imprégner du fait que votre nation est en guerre. Dans un état exceptionnel, nous sommes dans... Mais c'est le juge, ton français là, c'est fort pour moi. Il me sort les articles, mais hey, non, mais c'est le juge, respect, vraiment, c'est bien. Quand vous avez des gens qui sont instruits, qui ont fait papier, hein, c'est intéressant. D'accord? Donc voilà le petit message que je voulais partager avec vous. Allez au cœur, allez protéger la mère patrie. Soyez des patriotes. Aimez votre pays. Personne n'aimera le Burkina Faso plus que le Burkinabé lui-même. Personne. Soutenez votre président. Est-ce que vous le voyez porter costume, cravate pour aller à l'Élysée? Pourquoi le noir est comme ça même? Pourquoi le noir est comme ça? Hé, noir! Pourquoi le noir est comme ça? Aucune solidarité. Non, le monsieur n'a qu'à venir faire son bilan. Il n'a qu'à venir vous expliquer que la situation est pire qu'avant. Tu mens. Si vous dites que la situation est pire qu'avant, c'est un mensonge. Parce qu'il y a des villageois au jour d'aujourd'hui là. Il y a des endroits au Burkina Faso où il y avait la famine. Les gens leur apportent à manger. Ils voient au moins leur force de défense. Ils sont contents. Faut pas rester à Ouaga dans ton salon doré et puis penser que la vie est belle. Il y a des gens qui souffrent. Pourquoi vous êtes égoïste comme ça? Il y a des gens qui souffrent. Allez au front voir comment les policiers, les gendarmes, les militaires donnent leur vie pour leur peuple. Est-ce que c'est le lieu de se mettre dans une conférence de presse là et puis hein, il a promis ça, il a fait ça en 3 mois, en toi même si on t'a donné le pays là même, en 2 ans même tu pourras faire quelque chose. Pourquoi vous êtes comme ça? Soutenez votre pays. Même si ça va mal, réglez ça en interne.
Vous exposez votre pays comme ça. Maintenant, les gens qui sont contre vous la prennent ça et puis se moquent de vous. Et puis sont en train de vous huer. Et puis sont en train de huer votre président. Alors, Afrique de Liberté, chers amis, c'était donc l'intervention de votre serviteur, la même professeur. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être en votre compagnie en cette journée de jeudi 26 octobre 2023. Partagez-moi la vidéo, vous êtes sur Côte d'Ivoire 2020 et vous avez écouté minutieusement notre soeur, la Lionne, voilà, Nina la Lionne, qui a été très précis par rapport à son message au Burkinabé, parce que ce n'est pas le moment de Zaïch, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est très important. On est ensemble, portez-vous bien. Ce soir, on sera encore là pour notre direct. Si ce, ciao, ciao, bonjour chez vous.